Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle review où nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains d'entre vous un best-seller parmi les créations de jeux type Le Normand. Ça faisait depuis un certain temps que ce jeu était dans ma wishing list et je vous avoue que c'était Noël avant l'heure lorsque je l'ai enfin reçu dans ma boîte aux lettres. Il s'agit du Dreaming Way Le Normand de Quan Shina et Lynn Araujo, édité aux éditions US Game Systems et que nous allons mettre en lumière tout de suite. Lynn Araujo est directrice de la communication aux éditions US Game Systems. Elle est l'auteur du contenu du livret du Dreaming Way Le Normand et elle a aussi contribué au développement d'autres jeux et oracles comme par exemple le Botanical Inspirations. Quan Shina est une dessinatrice coréenne qui a commencé sa carrière en 1997 en réalisant des illustrations pour un magazine coréen. Elle a également collaboré dans la réalisation de bandes dessinées, dans la création d'affiches de films pour le cinéma et elle a également travaillé dans le monde de la publicité. Bref, son travail est aujourd'hui conséquent. Si vous aimez le Dreaming Way Le Normand, vous aimerez probablement le Dreaming Way Tarot aux éditions US Game Systems où vous pourrez retrouver son coup de pinceau. Après le succès qu'a connu le Dreaming Way Tarot, les éditions US Game Systems ont demandé à Quan Shina de renouveler l'opération en créant des illustrations pour un Le Normand et le résultat est plus que réussi. C'est un véritable ravissement pour les yeux et un petit plaisir pour notre psychisme à tous. Alors le jeu arrive dans une petite boîte cartonnée bien rigide de couleur vert pastel et qui reprend sur le dessus une carte du jeu, à savoir la Dame. Cette boîte contient un petit livret de 92 pages écrites par Lynn Araujo, la couverture est en couleur et le reste des illustrations du livret est en noir et blanc. On y trouve une belle introduction qui relate la naissance de ce Le Normand, puis une représentation de chaque carte. Chaque explication de carte est précédée par une citation qui est assez inspirante et se termine par une petite liste de mots-clés très pratiques. Et en fin d'ouvrage, on retrouve, comme dans la plupart des livrets, différentes méthodes de tirage. Il y a aussi 36 cartes, plus une carte de présentation qui vient ajouter de l'enchantement à ce jeu, justement. Alors les cartes sont satinées, bien glissantes et très faciles à mélanger. Le dos des cartes reprend le personnage de la carte de présentation du jeu qui est masquée par une figure de papillon et qui semble s'envoler au-dessus des toits d'une jolie petite rue. Vous allez voir, hein, les illustrations sont plus que poétiques, il y a une finesse dans le trait, l'intuition est mise à contribution dans la lecture de ce jeu. Et il est loin d'être classique dans sa prise en main, mais aujourd'hui il fait partie des incontournables. Je vous laisse maintenant le temps de découvrir l'ensemble des cartes qui sont plus touchantes les unes que les autres.
Cette présentation est maintenant terminée. C'est un Lenormand que je vous conseille car il est très doux, il fait voyager l'esprit et il apportera des réponses claires à vos interrogations. En attendant, je vous souhaite de beaux tirages avec ce jeu et j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne Les Réponses du Soi.